C'est l'interview. Bonsoir à toutes et à tous, ici John Pasadena pour le Weasel News. Nous sommes actuellement en présence de monsieur Ali Tagmaoui, qui, on vient de l'apprendre, a été fraîchement élu en tant que commandant de la police provisoirement, vu ce qui vient de se passer ce soir. Bonsoir monsieur Tagmaoui. Oui, bonsoir, comment ça va, Los Santos? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là sur ce qui se passe ce soir? Mais effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai été nommé au poste des commandants SPADS hein, pour la simple et bonne raison qu'il y a certaines tensions actuelles en ville qui ne peuvent pas durer. Et donc, le gouvernement a agi en conséquence pour essayer de résoudre les conflits actuels. Ouais. Donc nous savons là que devant le département de la justice, enfin l'intérieur, vous aviez eu une petite réunion avec le commandant Spatz. Qu'est-ce qui s'est dit exactement? Exactement. Alors, il faut déjà savoir pour vos lecteurs que le commandant Spatz n'est pas du tout contre ma nomination. Ou bien au contraire, cette nomination a été faite avec les comme but d'ouvrir les dialogues et de trouver des solutions aux problèmes. Hein. D'accord. Et donc vous savez combien de temps exactement vous allez être en place en tant que commandant de la police? Alors non, ça n'a pas de durée. Ça durera le temps qu'on trouve des solutions, comme je vous l'ai dit. Peu importe le temps que ça prendra, ce n'est pas le plus important. Tant que la ville tient debout et qu'on peut toujours protéger les citoyens, c'est cela qui compte. Et comment vous comptez faire cela, Monsieur Tagmaoui? Je vais ramener tout simplement l'ordre et faire en sorte que la police soit dès demain matin opérationnelle pour assurer la sécurité, pardon, des citoyens. Mais est-ce que vous pensez que les officiers qui sont partis en soutien à leur commandant vont revenir dès demain Je pour l'espère, prendre je leur sais. service? Je l'espère, je sais que certains d'entre eux sont déjà derrière avec moi, pardon, et c'est la raison de cette nomination. On m'a nommé à ce poste parce qu'effectivement, j'ai des très bonnes relations avec la police, puisque je collabore étroitement chaque jour que HM fait avec eux. Donc, oui, je n'ai aucun souci à me faire à ce sujet. Hein. Et dans le cas échéant, est-ce que vous avez peut-être une solution? Si aucun ne se présente demain? Je sais déjà par avance que ça n'arrivera pas et que je peux compter et que la ville peut compter, que nous pouvons tous compter sur des agents dévoués. Et donc, non, c'est cela la solution. Hein. D'accord. Vous êtes en bon terme du coup avec Monsieur Spade? Effectivement, comme vous avez pu le voir à l'instant, j'étais avec le commandant Spatz. Nous avons discuté de très longs moments ensemble, plusieurs heures. Et là, nous revenons tout droit du poste de police où nous avons discuté en tête à tête et où il m'a remis, effectivement, suite à ma nomination, mes pleins pouvoirs, au poste de commandant du police. Hein. Donc lui, selon vous, il ne compte pas revenir de sitôt, c'est cela? Alors si, il n'a pas pour but de partir et de nous abandonner, hein. Bien au contraire, il souhaite rester et occuper ce poste, hein, qui est fait pour lui, c'est une évidence. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être? Ben, je demanderai tout simplement aux citoyens de la ville de rester forts et soudés et de compter sur vos gouvernements, au gouvernement comme à la police et au département de la justice. On tient à vous et ne vous en faites pas, ce problème sera vite résolu. Hein. Merci beaucoup. C'était John Pasadena pour le Weasel News. Bonne soirée à tous.